Le Stan de cire a perdu sa tête et c'est à nous de la retrouver. Il y avait beaucoup de clients mécontents à l'inauguration. Le coupable pourrait très bien se trouver parmi eux. Alors, on est des suspects, nous aussi. On trouve de tout dans cette ville, tu le sais bien. Fantômes, zombies, ça peut prendre des mois avant qu'on trouve un indice. Mais regarde, c'est des indices, non? Des traces de pas sur le tapis? C'est bizarre, il y a des traces qui ont des trous. Et elles nous conduisent à... Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ben, à mon avis, c'est une hache. Mais attends une minute, c'est le bûcheron? Bien sûr! Dans ta face! Il était furieux de ne pas avoir eu sa pizza gratuite. Suffisamment furieux pour être le coupable. Oui, ça pourrait être lui. Il traîne avec les bikers là où ils se réunissent pour chahuter. Eh ben, c'est là qu'on va aller le chercher. Ça, c'est incroyable. Vous êtes malin. Vous êtes les jumeaux du mystère. Non, ne dis pas ça. Aidez-moi à porter ce cercueil, vous voulez bien? Je fais une petite cérémonie pour le Stan de cire. Ce sera très simple, mais très chic. Désolé, oncle Stan, mais là, on doit partir en mission. Oui, on part en mission. On part en ville interroger le coupable de cet acte impardonnable. On a une hache. Oui, oui, oui. Ouais, c'est exactement le genre de chose qu'un papa responsable vous interdirait de faire. Mais je ne suis que votre oncle. Vengez-moi, les enfants. Vengez-moi. Voilà, c'est là que ça se passe. Hein? Fausse carte d'identité. J'ai l'impression que c'est pas gagné. Désolé, mais on n'accepte pas les mineurs. Ça a perli, papate. On veut interroger Dan le bûcheron à propos du meurtre de la statue de cire. Tigidigidig. Vous pouvez entrer. Hé, hey, dégage de là, toi. J'adore ta moustache. Il doit être fatigué. Maintenant, faut essayer de se mélanger aux autres, d'accord? T'as raison, comme dans un mixeur. Salut, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous taquiner. Et toc. Dan le bûcheron, ça tombe bien, je voulais vous parler. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Je réglais une horloge. Vous n'êtes pas horloger? Non, je lui ai réglé son compte, je l'ai éclaté. 22h, l'heure du crime à la seconde près. Donc j'imagine que vous voyez ça pour la première fois. Écoute, ma petite fille. En fait, je suis un gars. Je me querrais même pas les dents avec cette hache, c'est une hache de gaucher. Et j'utilise que ma main droite. Je suis droitier. Une hache de gaucher. 3, 4, 5, 6. Votre femme sera d'une incroyable beauté. Ouais. Mabel, on va faire une pause dans l'enquête. Mais est-ce qu'elle sera amoureuse de moi?